J'ai dans le nom de respect. Vous savez, j'ai appris à respecter les choses que Dieu a valorisées. Et véritablement, pour moi, cette dame, mon épouse et moi, nous l'aimons. Profondément pour la qualité de son cœur, la simplicité de son âme et les sacrifices consentis pour être utile entre les mains de Dieu. N'oubliez jamais, quand vous voyez quelqu'un transcender, faire de l'impact à un certain niveau, ce n'est jamais au hasard. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent les mêmes dons, souvent même plus, mais très peu de personnes les valorisent. Les personnes qui ont valorisé les dons et la grâce que Dieu a déposée en elles et qui excellent dans le travail que Dieu leur a confié, ces personnes méritent qu'on puisse les honorer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs et grades, qualités, distinguées, je voudrais que chacun d'entre vous, vous puissiez apprécier cette dame qui vient donc maintenant nous apporter le ministère de la part du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la chantre Tena Kwana, peuple dame de la foi, toute la grande famille du dame de la foi. Amen. Poussez des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous formons ça. Nous bénissons Jésus qui a fait de tels dons aux hommes. Nous honorons le Seigneur qui a fait de telles grâces. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alléluia. Honneur à l'agneau. Bonsoir à tous. Je suis tellement honorée d'être ici ce soir. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Alléluia. C'est bien d'être à la maison. J'ai beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai connu le pasteur Wafo en 2010. Ça fait très longtemps. Peut-être qu'il y a même des gens qui sont ici, c'est comme ses fils et ses filles, mais qui le connaissent après moi. Et il m'a dit la grâce que j'avais en moi. Et il m'a aidé à comprendre que Dieu avait déposé quelque chose de précieux en moi. Ça faisait très longtemps, je ne me connaissais pas non plus, moi-même. C'est bien que le pasteur David aussi soit là. Parce que lui aussi, j'ai connu en 2010. Et je raconte son témoignage, je l'ai raconté encore hier. Il m'a regardé chanter et il m'a dit, tu chantes bien, mais tu n'es pas encore morte en toi-même. Il me dit, tu ne sens pas encore la mort. Et à l'époque, je venais de traverser des situations très difficiles aux États-Unis. Et pour moi, ça, c'était la mort. Mais je n'avais pas encore compris le langage que Dieu avait dit au travers de lui. C'est en 2014 que je connais la mort dont il parlait. Et quand il vient au concert, mon premier concert, la sortie officielle de mon deuxième album, je ne savais pas qu'il était dans cette foule et il m'écrit, « Maintenant, tu sens la mort. » Et je rends grâce à Dieu pour ses pères, ses grands frères, ses hommes et ses femmes que Dieu place autour de nous. Je voudrais encourager quelqu'un à savoir que Dieu a des choses merveilleuses à accomplir avec toi, mais ça dépend de ce que tu l'entends dire. Alléluia. Je suis contente d'être morte en lui. La Bible dit que une graine, lorsqu'elle est jetée en terre, elle ne produit que lorsqu'elle est morte. Et je sais produire parce que je suis morte en moi. Et je peux dire clairement que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. C'est la seule raison pour laquelle, lorsque j'ouvre ma bouche pour chanter, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, mon adoration ne vient ni de mes sentiments, ni de ce que je sais, ni de ce que j'ai acquéri comme information, de ce que les gens ont dit tout autour de moi. Mon adoration me vient de Dieu. Parce que pour adorer Dieu, il faut l'adorer par l'Esprit et en vérité. Or, Dieu est Esprit et c'est lui la vérité. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que cette couronne que tu vas jeter à ses pieds n'est pas une couronne que tu mérites, mais c'est une couronne que lui a déposée à tes pieds, que tu viens rejeter à tes pieds et qu'il remettra encore sur ta tête afin que tu le rejettes encore à ses pieds. Je pensais qu'un adorateur allait être connecté ce soir. Sherata. Alléluia. Ereboya
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa voix et commencer à l'adorer en ce lieu? Est-ce que quelqu'un qui est connecté en esprit peut permettre à l'Esprit de Dieu de mettre sa pensée en lui? Sharakababa sata erakababa shurakae sukarabaeta. Oh, nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Nous venons déposer nos couronnes à tes pieds. Sharaeboya sukarabae sutarabaete. Halalayabo sutarabaeta. Ça sera fort ce soir. Ah, je peux le sentir parce que c'est quelqu'un qui se connecte. J'entends même des paroles sortir de ta bouche que tu ne pourras pas contrôler. Ah, charale boya, aralele boya na, iraba yele bo sata, arala baye tora baya nele boya sata. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand le Saint-Esprit est parmi nous, l'atmosphère. Il y a transfert. Chante avec moi quand tu descends. Quand tu descends. Ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, quand le Saint-Esprit est parmi nous. Hey, Jaradabaïsa, ha!
tu t'approches de sa présence, il te touche comme personne ne peut te toucher. Demain
Je ne sais pas si le révérend me permet de dire ce que je vois. Comme une huile qui tombe, les cieux sont ouverts sur nous. Je ne sais pas si tu le sens, mais les cieux sont ouverts sur nous. Le ciel sur terre. C'est le ciel sur terre. Miracle en ce lieu. Provision. C'est ça qui se passe dans sa présence, alors que personne ne le demande. Nous ne sommes pas approchés d'un homme ce soir, mais de celui qui est la source de toutes choses. Et sa pensée est connectée à ta pensée. Zadaïna. Si tu vois ce que je vois, mais le lieu est saturé de sa présence. Chanter ce soir. Alléluia. Alléluia. Les miracles prennent place en ce lieu. Alléluia. La guérison est donnée à tous. Sa main nous touche et nous guérit ce soir. C'est bien plus fort que ce que nous connaissons, c'est sa pensée révélée en ce lieu. En ce lieu. Alléluia.
Encore, 1, 2, 3.
Dieu. C'est avec attitude. C'est parce que je sais qui je suis en lui. Je ne sais pas comment tu fais pour garder tout en toi. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Alléluia! C'est simple, c'est simple. On va faire ceci. 1, 2, 3. Allez. Continuons d'acclamer le Rédempteur pour son église de joie.